Ça, c'est très, très beau avec la peinture un peu étrange aussi. Speicher, ça, c'est un réservoir. Speicher est la mémoire d'un ordinateur. Speicher est un silo pour le blé. Et speicher, c'est un stockage. Alors, les gens qui stockent leurs choses dans le réservoir, on peut mettre des choses très différentes, mais peut-être les choses différentes peuvent avoir le même ordre, ou on peut avoir les choses très similaires, mais dans un ordre très différent. C'est-à-dire que il y a une dépendance des éléments et de l'ordre, mais il y a aussi un cycle dans chaque pièce et peut-être dans toute partie d'une pièce, il y a un autre cycle, c'est-à-dire que du grand au très petit, ou peut-être jusqu'aux atomes de la musique, il y a une pensée similaire comment je travaille avec la forme et avec la dramaturgie. En effet, actuellement, je suis très curieux sur la musique parce que c'est la première répétition pour moi avec la pièce qui est écrite en été. Dans Speicher 3, il y a 12 instruments. C'est une étude sur les différents glissando et vibrato, alors des choses spécifiquement pour les cordes, et aussi deux flûtes et une harpe. Pour le vibrato, peut-être c'est possible de... beaucoup plus. Et aussi pour les longs mouvements, c'est très difficile, mais peut-être aussi pour les longs glissando, jouer plus vibrato aussi pour le diminuendo et pour tout cela. Les flûtes super pour Speicher 3. Merci bien. Dans l'univers de Popeux avec le quart de ton, j'ai la chance d'avoir pu emprunter cette flûte à un luthier qui s'appelle Eva Kigma, qui a fabriqué cette flûte, et c'est la seule flûte qui est comme ça, c'est-à-dire avec des trous à la place, des plateaux qui sont normalement pleins. Là, ils sont creux et ça permet de faire des quarts de ton. Avec les cloches à vache et les gongs, j'ai pas mal de petits gongs. Ça sonne fatalement un peu faux, donc on peut dire que c'est du quart de ton aléatoire. Pour la musique arabe, l'intervalle de trois quarts de ton, ça c'est une chose de très importante, centrale dans la musique arabe. Et je travaille aussi beaucoup avec cet intervalle. Je suis intéressé à des choses linéaires, c'est-à-dire qu'il y a deux conceptions à travailler avec les micro-intervalles. L'un est les accords, l'invention de nouveaux accords. Et l'autre chose est de trouver nouvelles choses linéaires, c'est-à-dire nouvelles mélodies ou des nouvelles gammes aussi. Je suis intéressé peut-être à la musique qui sonne un peu faux. On n'est pas sûr si ça c'est faux ou si le faux du passé, c'est le vrai du présent.
l'Europe se renouvelle tout le temps dans sa manière de penser, d'imaginer des sons, de trouver de nouvelles expressions dans la musique. C'est vraiment la continuation de la tradition de la musique nouvelle, de la musique contemporaine, exploratrice, qui a débuté aux années 50 avec Pierre Boulez et Karlheinz Stockhausen et autres compositeurs. Contrapunkt, la première pièce de Stockhausen que j'ai écoutée, peut-être avec l'âge de 12 ans, au radio, je savais que ça, c'est la musique qui m'intéresse. C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'idée de complication ou l'idée que ce n'est pas harmonique, mais j'ai pensé que cette harmonie dans la pièce, ça c'est une harmonie intéressante et ça c'est une harmonie qui a une musique aussi. C'est-à-dire que la liberté dans la musique, pour moi, c'était complètement naturel. La recherche, c'est au centre de la musique. Ça peut être une recherche sur tout. Ce n'est pas seulement une recherche sur un matériau musical, mais c'est aussi une recherche sur la communication. Parce que la musique et l'art est toujours une communication. Peut-être c'est aussi un laboratoire pour comment on veut vivre. Parce que ça, c'est un laboratoire sur la liberté, peut-être, en général. Alors, je pense que la musique contemporaine, c'est une chose pour des gens qui sont curieux et qui sont conscients que la réalité, c'est pas tout.